Les acteurs des dépenses publiques de l'Assemblée nationale sont réunis depuis ce jeudi 9 septembre à Kétou. Le séminaire organisé par l'Institut parlementaire du Bénin, avec l'appui du PNUD à travers le programme de renforcement des capacités de l'Assemblée nationale et des organes de gestion des élections par POJ, vise à mieux outiller les participants sur les procédures d'exécution des dépenses publiques. Durant ces trois jours de grandes réflexions et de fructueux travaux, vous serez à même, et j'en suis convaincu, de partager entre vous de riches et pertinentes expériences sur les réformes engagées à l'Assemblée nationale en vue d'y assurer plus de transparence en matière de dépenses publiques. Mesdames et messieurs, chers participants, c'est le lieu d'exprimer la profonde et chaleureuse gratitude de l'Institut parlementaire du Bénin à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale pour avoir autorisé l'activité. Les participants ont suivi trois communications portant sur les procédures d'exécution des dépenses, l'état des lieux des réformes et les fautes et sanctions liées aux irrégularités des dépenses publiques. Les travaux ont été lancés par le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale empêché. Je voudrais avant tout propos vous exprimer ma réelle satisfaction et l'immense plaisir que j'ai dans cette salle, en ce moment où je voudrais, au nom du président de l'Assemblée nationale, lancer le séminaire de renforcement des capacités techniques des acteurs de la chaîne des dépenses publiques à l'Assemblée nationale. Vous avez donc un programme de formation très alléchant qui exige de vous votre entière disponibilité et votre responsabilité absolue durant les trois jours. Je voudrais bien compter sur vous pour l'atteinte des objectifs ainsi fixés. J'apprécierai à ma juste valeur l'effet de cette formation sur vos pratiques d'acteurs de dépenses publiques dans les tout prochains jours et espère par ailleurs que les acquis de ce séminaire vous éviteront les regrettables situations qui défraient la chronique de nos jours. Les travaux de Kétou devraient aboutir à une meilleure compréhension de chacun des acteurs, de leur rôle et responsabilité dans la chaîne des dépenses publiques.